Bah ici c'est du sable. Donc ça c'est la porte principale. On a quand même vraiment de l'ombre. Ouais, c'est pas compliqué, j'ai jamais demandé. J'aurais bien demandé, je te dirais oui, je sais comment tu fais. Et j'étais seul vraiment. Mais Dieu il a envoyé des belles gens comme ça aujourd'hui. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à Assa dans un tout petit camping et puis vous allez voir, on revient sur ces quelques derniers jours avant d'arriver ici et on va vous présenter le camping, vous montrer le petit coin de paradis où on a atterri. Retour dans le sable. Pas trop loin. Ouais, ça patine vite fait. Là on le voit bien hein, le sable. Et ça va, il y a un tracteur. Ouais. Si jamais il y a un tracteur, non mais ça va le faire, il n'y a pas de raison, on est passé à l'aller. Bah ici c'est du sable, hein, je vous le dis. Hein. Là, il y a la grosse montée, parce que celle-là, elle est grosse de monter. Hein. Là où il touche. Là où il a touché. Hein? C'est pour pas arracher quelque chose. Ouais, et là, il y a la montée et il faut tourner. Ouais, et là, ça monte. Hein. Allez, on tourne. Allez, retour sur la route. Je sais pas si c'est pas pire hein, des fois. Des fois les routes sont pires que les pistes. Hein. Après celle-là de piste, elle était quand même pas mal. Ah, dans les galets, c'est qui hein, hein? Dans les galets, le pire c'est les galets. Ouais, elle était pas mal quand même celle-là. Le pire c'est les galets. Ouais. C'est joli là, les rois en fleurs. Ah, c'est super beau. Moi j'adore les palmeraies, je trouve ça toujours aussi beau. On se retrouve à Veraka, à l'Agadir de Azulour, Arouluz, Arou. Bon, je vous le marque, d'accord? Ça va être plus simple. Et on est parti pour aller visiter. Oh, regarde la porte. C'est lui, il se sera cassé. Oh, oui. Il est tombé, il est tombé comme ça là. Mais... avec les mains là, et puis il y avait le rocher qui était là. Mais en fait, sa tête s'arrête à ça du rocher. Juste devant le caillou, là, l'angle, là. Tu sais, en plus, oui, pas le caillou à plat, non, vraiment la pointe du caillou. Tu crois qu'on peut rentrer, là? Bah, oui, je pense, hein. Vas-y, filme, déjà. T'entends filmer? Ouais. Ah, bah, c'est bon. Non, c'est... belle, cette porte. C'est joli, hein. Ouais, c'est en restauration, on a vu, sur le panneau. On a continué dans une petite rue sur la gauche. On sait pas trop où on va.
Mais on y va. On se balade. Oui, on se balade, on découvre. On est en balade. Les portes sont toujours magnifiques. Hein. Vous voyez la construction, l'épaisseur des murs. On fait des tours et des retours. On fait des tours et des retours, on se perd dans le village. C'est géant. Et c'est géant. Ah, il y a des choses indiquées. Ah oui. Ouais. Ah. Restauration d'Agadir Ouzrou. Ouzrou. Le fondateur du village a pour ancêtre le très grand Saint Jazouli, enterré à Zawiya. Zawiya. Alors, le savant fondateur de la dynastie saadienne de 1549 à 1606. Alors, son arrière-petit-fils, il aurait fondé donc l'Agadir d'Ouzrou au milieu du 17e siècle. Ah, par contre, il manque des morceaux, donc pour l'histoire... Oui, c'est bon. Bah, il va falloir googler ton ami, quoi. Ouais. Ah, porte principale du bas village. C'est ça. C'est là où on n'a pas passé. D'accord. Le jeune, parce que nous, on est là. Quelque chose près. Par là, derrière. D'accord. Allez. Allez, on continue. On continue. Ah oui, il y a un numéro sur le mur. Oui, c'est la maison qu'il y a. Et la porte ? Et la porte, la belle porte. Vas-y, on continue par là-bas. Allez, on continue là-bas. On va aller voir là-bas. Oui, alors on n'a pas fait nos devoirs. Hein. Non. En fait, c'est parce qu'on est passé devant et on a dit, c'est joli, ça a l'air sympa. Voilà. Donc on n'a vraiment pas fait nos devoirs. Après. Ah non, on peut pas aller plus loin. Ah, vous voyez, c'est bon. Après, je vous marque le lieu, vous voyez où on est. Vous pouvez tout à fait aller regarder. Ah, on peut pas aller plus loin. Allez, moi. Allez, hop. Demi-tour. Ah oui, mais c'est des labyrinthes. Hein, c'est ça. Donc vous pouvez aller chercher sur internet. Par pitié, n'allez pas chercher les infos sur Wikipédia. Wikipédia, je ne sais pas si vous le savez, mais Wikipédia, c'est un site où tout le monde peut ajouter lui-même des informations. Donc, il y a des informations qui sont justes, mais il y a aussi des informations qui sont erronées. Donc, par pitié, Wikipédia n'est pas un site historique. Allez chercher sur des vrais sites, pas sur Wikipédia. Wikipédia n'est pas une source valable. Vous savez quand même que quand ils apprennent les dangers d'Internet au collège, on leur enseigne que Wikipédia n'est pas une source fiable. Donc, s'il vous plaît, prenez des sites d'histoire, quoi. Voilà. Alors après, ce qui est pas mal, c'est de combiner les différents sites pour pouvoir réussir à avoir une information plus juste. C'est pas évident hein, d'avoir des vraies informations. Hein. On va à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est l'architecture, elle est magnifique. Quoi ? Une porte ouverte, allez viens. Oui, une porte. Elle n'était pas bloquée. Elle était bloquée. Le ciment, il est homologué là. C'est pas convaincu là. Peut-être pas. Non. Peut-être s'enlever dans le sous-garde. C'est très très beau. Ils ont mis sa main sur le fil pour déconner. Puis alors là, vous voyez vraiment les constructions d'époque. C'est quoi le film? C'est pas un câble électrique, enfin si, c'est le câble électrique. Oui, mais c'est pas la ligne. C'est la basse tension, c'est du 220 qui passe dedans. Arrêtez, oui, c'est bon. Oui, c'est du 220, mais avec leur. 380. Ouais, c'est différent. Ouais, t'as un fusible ici, t'as un fusible ici. Arrêtez, vous me faites peur. En fait, non, c'est pas la ligne. Ah, je crois que c'est un nouveau cul-de-sac. Encore un cul-de-sac. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'expliquait Hassan à Taroudante? C'est qu'en haut, il faisait un étage qui servait donc, c'est là qu'était l'Agadir, en fait, c'est là qui cachait la nourriture pour les ennemis. En général, il n'y avait qu'une seule porte, on y accédait par une seule porte à l'étage, toutes les autres étaient cachées et c'était fermé, comme si là il y avait un toit et qu'il n'y avait rien au-dessus en fait. C'est un faux étage. C'est un faux étage, exactement, et c'est là qu'il cachait la nourriture. Je n'ai pas eu une mauvaise idée ce qui soulève Franck. On va refaire un point. Le Ksar, c'est les remparts. Donc la Casbah, c'est la maison centrale, en quelque sorte. C'est l'hôtel de ville. Et les Agadirs, c'est les greniers, en fait. C'est les pas les greniers, genre un grenier, comme dans une maison. C'est là où on stockait la nourriture. Pas que la nourriture, hein, d'ailleurs. Hein, tout ce qui avait de la valeur, en quelque sorte. Voilà, des documents, plein de choses. Viens, Noah, viens voir. Et ça, c'est la porte de tout à l'heure, là. La porte de tout à l'heure, oui. Donc ça, c'est la porte principale. C'est bien,
Il fait frais en plus. Oui, il fait frais. Et puis là, tu as le tunnel, c'est ça? On pas le mieux. Ouais, c'est ça, le tunnel où on était en etc. Ça, c'est la porte principale. La ville basse. On voit que ça devait continuer en face parce qu'il y a une autre une porte et le mur continue. Donc en fait, la porte devait continuer comme ça. En fait, ça se croise. La porte là, là, tout droit. Le petit âne. Il est pas bien violé. Les oreilles sont petites. Il n'a pas envie. Non, tu vois, il veut pas. Il n'a pas envie. Les oreilles sont petites, donc c'est un bébé. Ah, on continue par ici. Ah, on continue un peu là. Voilà. T'es sûr d'avancer? Mais oui. Un petit problème de termites, non? Ils passent là tous les jours. Un petit problème de termites. Pas de raison. Viens voir, papa. C'est pas mal le lampadaire là. Regarde, l'éclairage public qui est raccordé. On va continuer dans cette petite rue. On sait pas trop où on va, mais on y va. C'est tout en terre, c'est briques de terre. Hein. Mm. Regarde ça, il y a dire ça aussi. C'est briques de terre. C'est très sale. Ouais, c'est en mauvais état. Ah bah ça s'abîme avec les années, avec le temps. C'est de la pluie. C'est un peu loin, mais ça va. Ouais, à mon avis, ça va être tout. Tout droit. Bon, on va avec les ânes. Qu'est-ce que les ânes ont mis? Oh, il a eu chaud le pépère là, regardez. Il va rendre là, vous voyez. On a vu un arbre au loin. On a dit, oh là, il y a un arbre. Hop, comme ça on peut caler la porte. À l'ombre. Hop. Là, il faut quand même que tu sois. Tu vas charger là? Ouais. Et voilà. Maman. Tu veux que j'aille voir si la porte elle est. Ouais, de toute façon. Là. On est au milieu de rien. Bon alors là par contre il n'y a vraiment rien du tout. Voilà, ça y est, on est posé. C'est agréable parce qu'il n'y a rien autour. C'est assez calme, c'est tranquille. Il n'y a pas de bruit, tout ça. On a un petit vent qui nous rafraîchit parce que là avec les chaleurs, c'est vrai que c'est ce qui est difficile à trouver, c'est un peu de frais. Donc là on a trouvé une grande place avec de l'ombre. Hop, je vous montre Barbouille, vous allez voir. Hop. Du coup, Barbouille. Il est au soleil, d'accord, mais par contre, on a quand même vraiment de l'ombre. Donc normalement, on doit à la fois charger et en même temps, on a ce petit vent là qui nous amène un petit peu de fraîcheur. Ça va être agréable. Nous avons changé de pays. Nous voyons des animaux extraordinaires. On a trouvé une bande de guenons. De dindes ou de guenons? Une bande de dindes. De dindes, qu'ils ont fait. Elle la guillotine? Ouais. On est parti faire un tour là avec le coucher du soleil qui défonce bien les yeux d'ailleurs. Et depuis tout à l'heure, on voit des traces de pattes de dromadaires. On se dit, il y a des dromadaires qui sont passés par là. Mais comme ça suivait bien le chemin, on se demandait si c'était des dromadaires libres. Libres, libres. Et bah oui. Ah oui, ils sont là-bas. Regardez, on les voit là-bas. Un, deux, il faut qu'il y en ait un troisième. Je sais pas derrière. Si vous les voyez, on va se rapprocher un peu. Ah, va, petit réel, petit. Ah, mais vous allez pas voir, on va se rapprocher. On va se rapprocher un peu, on va essayer de pas se faire manger. Bon, c'est pas carnivore un dromadaire. Hein. Non, mais bon. Faut pas qu'ils aient peur, quoi. Carré. Alors là, on va essayer là. Je sais pas si vous voyez bien. Là, normalement, j'ai plus le soleil. Donc il y en a un ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ouais, là-bas, il y avait un tout petit. Il nous regarde. C'est peut-être ceux d'hier, hein, effectivement. On est en train de se dire, ça se trouve, c'est ceux d'hier. Ils ont avancé. Non, je n'ai pas... Et non, c'est pas ceux d'hier parce que lui, il a le ventre blanc. Regarde. Ouais. Alors là on les voit bien. Non, ceux-là ils sont, comme il disait Yo-Yo, ceux-là ils sont marqués en fait. Et ils ont le cou tendu là. Et ils ont des traces sur le cou, donc eux ils doivent appartenir à quelqu'un, j'imagine. Ou ils les répertorient? Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout là. Par contre hier, ceux d'hier n'étaient pas du tout marqués. Ce soir c'est cuisson nomade. Et attention, c'est Yo-Yo au fourneau. Il fait cuire le poulet. Ah, si on peut faire chauffer le thé aussi. Mmh. Bah, il faut les braises pour le thé par contre. Bah, Yo-Yo, il a fini la popote. Mmh. Ça y est. Et maintenant, fait cuire le thé. Fait chauffer le thé. Et voilà, puis on attend. Et les étoiles sont magnifiques. Ouais, on regarde les étoiles, je sais pas si vous voyez. Mais c'est magnifique. Celle-là, peut-être quand tu dis qu'on pique un Christophe, tu vas la voir, parce qu'elle brille bien.
Ah oui, je la vois. Là, regardez. C'est magnifique. On a un ciel, mais alors chargé d'étoiles superbes. Il a déjà fallu se battre pour que Franck mette des chaussures. Mais regarde, c'est du papillon. Ça fait au moins 10 fois qu'on lui dit. C'est un papillon, c'est un hélicoptère. Et là, il est en mode exploration. Alors, en mode chasse de... il est allé voir s'il y avait des scorpions, s'il y avait des araignées. Il a trouvé une souris. Regardez du truc. Là, il est avec le même papillon que dans le silence des agneaux. Là, il est en mode papillon. Voyons, viens, montrez. Les gros, là, les gros de nuit. Il a mis des bêtes. Enfin, s'il se laisse attraper, il est malade ton papillon, non? Il volait, me suit depuis tout à l'heure. C'est un hélicoptère, le truc. Attends, tu avec ta light là. Non mais non, le hop. Hein, nous c'est défonce les yeux de l'arbre. Vas-y, pose-le sur l'arbre là. Eh, tu mets j'allais dire tu mets la bouse. tu mets tu m'éblouis avec ta lumière. Je suis censé vous montrer l'espèce de saloperie là. C'est comment un solifuge? Solifuge. Pleine de pattes, ça a trop de pattes. Ça a 10 pattes, ça a 10 pattes, c'est comme une araignée. C'est quoi comme famille, Franck? Les arachnides. C'est une famille des arachnides. C'est une araignée en fait. Non, c'est pas une araignée, c'est la famille des arachnides. Et en fait, là où il est en train de creuser, là, ici, là. Il y avait un trou de fourmilion. En fait, il y avait un trou de fourmilion comme ça. En fait, il a attrapé, il a mangé. Il a dégâché. Et là, du coup, il se fait, je sais pas, il se fait un terrier ou je sais pas. Un abri. Une maison. Ça creuse bien. Regarde, il va pousser la terre, regarde. Hop, regarde ça. Hop. Et il recreuse. Et il creuse, c'est mignon. Tu parles, c'est mignon ça. Ah, c'est mignon quand on tape pas la tête. Hein. On a passé une petite nuit tranquille dans notre petit coin au milieu de rien. Voilà. On a vu des horribles saloperies à pattes, vous avez vu. Très moche. Mais bref, voilà. Maintenant on reprend la route et on se retrouve à Assa. Du côté de Assa, on vous emmène là-bas. J'avais dit que je filmais pas la route aujourd'hui. Savoie ou bien? Mais bon. On se prend dans les villages de Savoie tellement la route est large. On est vraiment dans un petit village là. Non, c'est mignon, mais c'est une petite rue là. C'est une petite rue. Hein. C'est ça, c'est la nationale. Hein. Ouais, c'est clair, c'est la nationale 12. Alors la route est en travaux, mais alors c'est pas toujours évident de comprendre où il faut aller, où il faut rouler, en fait c'est... Allez, plus haut, c'est de pas côté très... de l'autre, à côté de l'autre. C'est pas très très bien balisé. Qu'est-ce qu'ils font? Là-bas il y a le chef. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils sont... Waouh, 10, 11. Bon alors là c'est très drôle parce qu'on a choisi un petit campement familial qui est en train de se développer. On y va en coordonnées GPS. Il n'y a pas de route en fait. Mais c'est rigolo. Mais j'aime bien. Alors après par contre c'était la bonne piste pleine de cailloux. Alors moi j'aimerais bien savoir où est-ce que tu vois un camping par là. Parce que moi je vois à part du vide. Tu verras. Alors, je pense qu'on va entre les deux montagnes là. Non, mais quand t'arrives ici, t'as l'impression que t'arrives à une falaise et que tu vas tomber dans le trou. Mais ça descend. Ah, bah oui, il y a une petite oasis en fait. Haïti, tu vas d'Haïti. C'est mignon, regarde. Ah, Franck, il a vu juste, il a dit il va t'ouvrir le portail, tu vas aller au milieu des palmiers. Alors, par contre, pour tourner avec le camion, j'espère que tu vas pouvoir. Ouais, on va dire ouais. Il va pas les rinquer. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gros véhicules qui viennent ici. C'est génial en tout cas. Oui, mais c'est une très bonne nature. Oui, il est là. Ça va aller? Ça va tourner? Tu peux descendre? Pas prévu pour les gros véhicules, c'est sûr. Non, alors, il veut que tu te mettes où? Là ou là? Ou là? Monsieur, bonjour! Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a sorti la pompe parce qu'elle aspirait plus. La pompe du puits? La pompe du puits. Ouais. Ah mince. Il dit ça fait 4 ans qu'il l'a pas démonté. Ah ben voilà. Papa. Allez, les enfants. Papa! Ils ont trouvé le paradis, eux! Papa, de nous à la mort! Attends, papa! Allez, je vais papa! Ah, ça, c'est la pompe du puits! Hein. Papa!
Qu'est-ce que t'as mis dessus? Rien en fait. Ah si. C'est ce qu'il doit y avoir dessus? Non. Le produit vaisselle, les gamins qui ont joué avec le produit vaisselle. Ah, parce que je me disais pourquoi ça mousse. Bah ouais, moi aussi. Ouais. Les gamins ont dû jouer avec le produit vaisselle. Avec, et puis voilà. Bah moi, ce sera bien lavé. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle avait? Elle aspirait plus. Regarde, et là, ça y est, elle aspire. La grille. Enfin, la grille, en fait. La grille est toute bouchée par la terre. Ah oui. Je peux parler. Je peux parler. Oui. Juste pour remercier les gens parce qu'ils m'ont donné le coup de main. La pompe, elle était bloquée par le sable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le nettoyage. Alors, elle ne fait pas monter maintenant l'eau. On a fait sortir avec les amis du puits. Le puits, c'est du forage de 100 mètres qui est dans l'eau pour le camping. Alors, on a fait sortir la pompe pour faire le nettoyage et pour le remettre pour qu'il peut monter de l'eau. Et j'étais seul, vraiment. Mais Dieu, il a envoyé des belles gens comme ça aujourd'hui. Ça avec plaisir, Adam. Voilà. Avec plaisir. Et je remercie beaucoup. Ouais, si on peut t'aider, c'est chouette, attends. Ouais. Merci. Regarde. Ah oui. Ça ira mieux. Ah oui. Bon, du coup, en fait, c'est bouché au niveau de la crépine. Donc là, ils vont essayer de démonter la pompe pour pouvoir la nettoyer et la souffler. Ah, il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas un clapet sur toi. Voilà. C'est pas compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, j'ai jamais demandé. J'ai bien demandé, c'est bien, oui, je sais comment tu fais. Je suis sûr, ça a un don qui dirait. De toute façon, c'est le haut qu'il faut nettoyer. Oui, ouais, là c'est le moteur. Là, c'est le moteur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est étanche, il faut pas y toucher. Non, ça, non, bah non, ça faut pas y toucher, ça. Si ça bouge. Ouais, ça y est, derrière. Ça y va. Ouais, ouais. Voilà. Oui. Voilà. Ah, ça. Ça. C'est un engrenage. Ouais, mais regarde comment il est bouffé. Il est malade, l'engrenage. Il est malade. Hein. Après, toi, tu l'accroches. Mais... Il est fauté. Il est fatigué. Hein. Il est pas loin. Il est fatigué. Mais ça change. Ouais, ça va changer, ouais, ça. Oh, mais bah, ça va, faut que tu fasses attention avec ça, en fait, là, la pièce, ouais. Là. Mais si ça se trouve, le moteur, il tourne, mais ça tourne pas. Ah, c'est peut-être pas que c'est sale, c'est peut-être l'engrenage. Ouais. Oui. Alors, c'est pas un piston. Ça glisse. Il a cassé. Ah, c'est pas grave, ouais, ça c'est pas grave. Non. Ça y est. C'est juste la. Ouais, la tâche. C'est l'oreille. J'ai pas de. Avec ta grosse multiprise en prenant là. On n'y arrive pas à le dévisser comme ça. C'est mieux qu'on essaie. C'est mieux essayer. Et bah, c'est là qu'il faut que tu souffles. Hein. Ouais. C'est là qu'il faut que tu souffles. Voilà, il y a le café. Mets-le dedans là. C'est bon. Hop. Voilà. Là, tu vois, t'arrives à tout faire tourner en même temps, c'est que ça n'a pas l'air de ripper. Ouais, oui, mais... Quand elle est à fond. Ah. Quand elle est à fond, elle tourne plus. Ouais. Ah, elle tourne dans le vide. Ouais. Ah. Donc là, c'est sûr. Non, ça ne marchera pas. Ça va pas marcher. Non. C'est lui qui est cassé. C'est lui qui est cassé. Ouais. Voilà, c'est l'engrenage en haut qui est cassé. Lui qui est cassé. Lui qui est cassé et lui dedans. Regarde. Ah, tu vois comment il est usé dedans? Oui. En fait, lui il tourne. Lui il tourne, mais lui il tourne pas. Celui-là il tourne pas. Non. Et comment on va faire? Ah ben là. On peut la réparer. Ben, on peut le sortir. C'est celui-là là. Après il faut trouver celui-là, il faut trouver un réparateur de pompe qui a un axe comme ça. Ou alors ils le refont, tu sais, ils peuvent le refaire. Si je l'envoyais aujourd'hui, demain peut-être il va venir. Ah oui, ok. Pour le monter. Parce que moi je ne me souviens pas avec les câbles, avec les...
Ah, il y a le câble et tout en vrai. Quand on met les... Non mais ça là-bas, je te le refais là-bas. Même comme ça, je te le refais. Comme ça, après, t'as juste à rebrancher en fait. Alors, je veux l'amener à la ville. Ah, vous êtes bien là. Alors. Hey, c'était bien cette balade. Tiens, je te laisse la bouteille d'eau dehors du coup. Allez, dégage. Là, à portée de main, comme ça, s'il se pose sur la télé, je l'éclate. J'ai trouvé. Franck, dépêche-toi. Oui, mais attends, je vais faire un système de capteur de mouvement. Comme ça. Et là, comme ça, avec deux tapettes, ou même trois, pour bien couvrir la surface, avec un truc, tu sais, qui se règle, et dès, avec des capteurs comme ça, et quand ça détecte un truc qui bouge sur la surface de la télé, ça règle, et PAUM. Il y a un ingénieur dans les commentaires, vous êtes parti. Là, c'est quoi, vous allez mettre libre, ça peut se fixer dessus pour qu'il fasse des pattes de fixation. On avait dit qu'on vous montrerait le camping dans la vidéo, et je suis désolée, je pense qu'on va pas pouvoir vous montrer le camping dans la vidéo, parce que sinon elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Donc, on va faire les courses. Oh, touk touk, un triporteur. Et on va vous filmer tout ça. Et du coup, pour la visite du camping et l'explication, la découverte de Saïd, comment il a monté son petit camping, on vous raconte ça dimanche dans la prochaine vidéo. En attendant, on va faire les courses. Allez, c'est parti. Et allez, on est parti. C'est la deuxième fois déjà. Alors ça fait très bizarre parce que quand on est en haut des côtes, il se met au point mort. Alors est-ce que vous voyez les peintures là? Vous voyez les peintures là? Les gravures, les pétroglyphes en fait. Juste là. Ça veut dire que s'il était abattu, ça fait longtemps. Hey, le mieux c'est que vous irez sur la vidéo de Kiki, il va vous montrer ça. Ça c'est une source. Il y a une source ici qui est dans l'eau pour la droite. Il y a une source qui est dans l'eau pour la gauche. On est de retour. On rentre à la maison. Yo-Yo, il est tellement fier de lui ce soir qu'il m'a dit « Alors, tu filmes pas ?» Mais il a raison, c'est vrai. Il a raison parce que... Non. Quoi, non, tu dis pas que j'ai raison, hein. Tu veux pas l'avouer, hein, que si, raison. Si, c'est pas ça, c'est que j'allais ajouter un truc, mais... Il a raison, mais Yo-Yo qui fait la cuisine, je vous jure, faut faire un calendrier, rare, hein. Faut faire un calendrier autour de la croix, hein. C'est rare, hein. Regardez ça. Il est en train de faire les frites. Ça tombe bien, j'ai horreur de faire les frites. J'ai peur de l'huile, alors... C'est Yo-Yo qui fait... Et en plus, il fait même... Eh. T'as pas peur de l'huile. T'as peur de te brûler. Oui, j'ai peur de me brûler, c'est ça. Oh. Il gère, hein. C'est américain frites ce soir. Oui, au Maroc. Oui, mais bon. Attends, les steaks qui sont presque obscurs. Non. Mais c'est parce qu'il t'aime. Il est un peu offensif quand même. Arrête. En fait, c'est la même chose qu'un scorpion, sauf qu'il a pas le dard. Alors, qui c'est qui va dans l'eau? Dans l'eau. Oh, t'es tout nu. Oh, on va couper. C'est pas pour les enfants. Alors, la pompe est de retour. Saïd l'a envoyé donc en ville pour faire la réparation donc de l'engrenage, vous avez vu, qui est cassé. Donc la pompe est de retour. Maintenant, il va falloir la remonter. Et il fait déjà très chaud. Il fait déjà chaud, ouais. Il fait déjà chaud. Ah, pompe, wow. J'ai commencé à remonter. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'ils ont fait, en fait. En fait... Là, l'engrenage là-dedans, comme vous avez vu juste avant, était bouffé. Celui-là a été bouffé. Alors, il a envoyé à Guelmim. Ce qu'ils ont fait, ben... Ils ont soudé, en fait. Ouais, voilà, ils ont fait un trou, là, apparemment. Ils ont fait un trou. Passer une goupille. Passer une goupille, qui, enfin une pointe, qu'ils ont retournée, en fait. Et soudé pour que ça soit... Un seul bloc. Ça soit un seul bloc. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, pour démonter, ben... On peut plus trop démonter. Là, on peut plus trop démonter, on est marrant, hein, mais... Mais bon. Mais ça marche. Enfin... Théoriquement, ça marche. Théoriquement, bon, on va voir ça. On va voir ça. On prend les mêmes et on recommence.
celui-là. Non. Ah, vas-y, mets ta vis à côté. Désolé, j'ai ma main devant. Non, non, je me suis. Allez, remontage. Alors, avant de remonter, faut démêler. Ouais, je pense que ça va faire des nœuds pendant le transport. Ouais, c'est pas grave. Et dedans, il doit y avoir les gicots dedans. Là-bas. Là. Là. Devant toi. Juste à l'angle devant toi. Il est beau celui-là. Je sais pas si on va le voir, je suis un peu petite. Il est là. Juste là. Et ben, il y en a un autre là-bas. Ah, mon tournevis. De toute façon, quand vous allez rentrer dedans. Là. Voilà. Là. Ici. Ouais. Un, deux, trois. Ils sont bien là-dedans. Ils sont chauds. Ils sont protégés. Ils sont au chaud et au frais en même temps. Et protégés. Personne ne va venir les manger ici. Ah bah non, là. Ils sont au peinard, là. Je vais rentrer. Je te le passe. J'ai pas le bon champ. Allez, GLS. Allez, GLS. Ouais, juste là. Là. Et juste là. Faut pas tomber la GoPro, hein. Il est pas loin, là, quoi, là. Il est à 50 cm de la surface. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il scotche le câble sur le tuyau. C'est le câble qui permet d'alimenter la pompe. Là, elle est rentrée. Attends, lève-le, monsieur. Ouais, ouais, excuse-moi. Allez, je vais rentrer. Je suis sur le bord. Il est chaud le tuyau. Oh, sa mère. Il y a combien de mètres de tuyau? 101. Non, 100 de tuyau. De tuyau. Je sais pas. Oui, il doit y avoir 35 mètres. Oui, oui. Et il y a 100 mètres. C'était une couronne complète. Hein? C'était en rouleau complet. Et c'est celui-là. Hein? C'est un rouleau complet. Complet, oui. 50. Il n'est pas attaché. 50 mètres. 50, oui. C'est bien. Parce que le monsieur qui m'a fait ça, il m'a dit sur 50, ça aide, c'est bien. Hein? 50 en bas, 50 là-haut, il m'a dit. Et oui, tu as vu le même lot jusqu'à là-haut. Oui, oui, là, elle a filmé. Oui. Ça permet de. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ça aide. Du site, puis tu peux donner l'eau à ça. À la ville, à la ville. C'est pas juste pour toi, ouais. Tu peux donner même à la ville. En fait, les 50 mètres en dessous permettent que toutes les saletés redescendent. Ah, attends. Attends. Ouais. Quoi Ah si, et là-bas, t'as le vis. Ouais, non, mais je crois qu'il est à l'envers. Oh, il a pas démonté. Non, il n'est pas à l'envers. Le blanc. Ouais, le blanc, je pensais qu'il était à l'envers. Et ça, on va falloir trouver pour l'accrocher. Bah, l'accrocher là, ouais. Ah, bah ça... Là. Ah y est, il est dedans. Oui. Ça. Voilà, là pour le coup, il faut le papier dessus. Elle a aussi il y a une fuite ici. Il est en train d'essayer de réparer parce qu'il y a une fuite au niveau des tuyaux. Je cours pas. Non, il est pas. Si vous faites l'inverse, que vous mettez d'abord je celui-là. C'est mieux de le faire comme ça. Après ce loué-là, elle va le pousser. Ouais, mais il faut qu'il rentre au bois. Juste comme ça, juste comme ça. Bon, allez, il rebranche la pompe, là, et c'est le verdict. Là. Et il n'y a pas. Là, ici, il y a tout. Et il y a. Eh oui, il y a tout, mais pourquoi il... Ah, ou alors, il n'allait pas à fond. Il n'est pas à fond, oui. Il n'est pas à fond. Ah, je t'ai pas, ici. Ouais. Bon, allez, je vous explique. Il y avait une vanne comme ça, donc qui marche plus. Hop. Et du coup, ça fuyait aussi. Donc du coup, ils ont changé le bout de tuyau carrément. Et le raccord. On a chaud. Tu vas pouvoir te tremper dans la piscine. Ouais. Ça cogne, là. On va déjà aller voir là-bas, parce que l'eau va arriver là-bas en premier. Allez, je pour remettre, on va s'embêter, là. Bon, ici, ça fuit presque plus, là. C'est plus qu'un goutte à goutte qu'il y a là. Et là-bas, ça fuit. Je prends le truc. C'est un peu la misère, mais
Ça a l'air de marcher. C'est le moment de vérité. Ça y est. Ah, ça fuit. Ça fuit ? Ouais. Oh là, oui, beaucoup. Oh là là. Eh ouais, parce qu'il est pas droit. Parce que dans le tuyau, il est pété, le tuyau. Enfin, le tuyau, en fait, faut couper le tuyau. Mais non, mais tu peux pas couper le tuyau, parce qu'il est au moins. Fais-moi la dentifrice, hein. Regarde. Vu comme ça fuit. C'est pas qu'une histoire de serrage. Ça baisse doigt, ça, en plus. Donne-moi le clé, même si elle est cassée, je vais essayer de faire avec, parce que ça, je vais me couper un doigt. Ouais, vite. Allez. Ouais, c'est toujours les baisers. Tu vois, il y a un trou. Hein. Il y a un trou, enfin, il y a un creux. Mais bon, il doit être pile au niveau du creux. Il n'y arrivera pas. Comment réparer un trou dans le tuyau avec de la chambre à air? Réparation du bled. Ah là, ça y est, ça fuit plus. Ah, quasi plus, ça fait encore un peu. Ouais, ça fait encore un peu, mais c'est des gouttelettes. Après, de toute façon, ça retourne dedans, hein, de toute façon, dans le puits, mais c'est plus pour pas qu'il perde trop de pression. Ici, il a fait un bassin parce qu'il expliquait que l'été, surtout quand ça manque beaucoup d'eau, les troupeaux de dromadaires, de chèvres et tout, il met à disposition l'eau, en fait. Alors. Et ici, plus rien, ça fuit plus. Il n'y a plus de fuite ici. Celle-là, elle est nickel. Bah voilà, Yo-Yo, il rêvait d'aller creuser des puits. À défaut de creuser les puits, il les répare. Enfin, là, il va remplir du coup remplir le bassin, comme ça arrose le jardin. Bon, allez, le puits est réparé. On vous laisse, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir, ne pleure plus. Ciao.